Allez, on parle aussi du calendrier des examens. Oui, des examens calendrier nationaux. Des examens nationaux qui a été rendu officiel. Le BEPC qui va commencer le 14 juin, le vendredi. Ensuite, il va se c'est poursuivre. C'est rapide, hein, ça. Oui, mais la nouveauté, c'est que dimanche même, ils vont composer. Le dimanche 16, par exemple. Ah, même le dimanche. Oui, même le dimanche. Dimanche 16, c'était la grosse surprise. C'est un mois de pluie, hein. C'était la grosse surprise. Peut-être c'est pour anticiper justement avec d'accord. les pluies. Oui, mais donc, c'est la patte du nouveau ministre. Oui, c'est pour anticiper avec les pluies. Ils ont anticipé avec les pluies et ils ont fait en sorte que le dimanche, on puisse composer pour le BEPC. Non, ça ne tient pas. Laissez-le finir. Le vas-y. Bac, on va le faire du vendredi 21 au mardi 25, sauf qu'à ce niveau, on n'aura pas de dimanche dans le lot. Et en fait, enfin, l'examen d'entrée en 7e du lundi 10 au mercredi 12. Ah, mais moi, aujourd'hui, la question, la véritable question... L'année a été perturbée. Hein. Oui, c'est justement ça. Il y a eu l'explosion, il y a eu plein de choses qui ont maintenu les gens à la maison. On en parlait aussi, si on cumule les manifestations, le fait que les enfants soient restés à la maison et tout, on peut atteindre les 3 mois. Il y a eu l'explosion aussi du dépôt d'hydrocarbures qui a maintenu les gens une semaine à la maison. C'est quand même extraordinaire parce qu'il y a une DCE qui s'est fendue dans le communiqué aujourd'hui disant que dans la commune en question, on a déjà franchi, dépassé les 75% d'exécution, en tout cas du programme. C'est possible. Avec ça, avec des programmes de d'accord. Rattrapage. Allez, ça c'est l'enseignant qui parle. Ça peut être compliqué. Il y a un enseignant là. Ça peut être compliqué. Vas-y. Ton micro. On sait très souvent, ça arrive. Tu es enseignant aussi? Non. Ah d'accord. Quand les enfants ils sont coincés ou quand ça ne tourne pas bien au terme et au sortir des salles d'examen, on sait très souvent les enfants c'est là ils crachent la vérité. Bailo, calme-toi. Tu es là pour le sujet sérieux. Allez, vas-y. Le taux de progression, comment ça se passe? Le matin, quand l'enseignant vient, il présente la préparation, les autorités de l'école visent. Ensuite, à la fin, il écrit dans le cahier de texte, les autorités de l'école visent le cahier de texte aussi. C'est sur la base de ce cahier de texte, on a un programme, une répartition annuelle du programme, c'est sur la base de ça qu'on peut savoir est-ce qu'il y a une progression ou pas. 79, 75, oui, ça c'est combien possible. D'établissements en tout cas, devant l'école où tu enseignes, il y a une de niveau de friandises. Souvent, quand je gare pour acheter ces friandises, elles préparent très bien. Les gars, c'est que je veux dire juste merci. Par rapport à les examens sont fixés. On va y aller. Si